offrande d'acclamation. A clap offering to Jesus. Jésus Christ. Jesus Christ. Lis pour nous Jean chapitre 3 verset 16. Read for us John chapter 3 verse 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Amen. Dieu nous aime. God loves us. C'est une chose fondamentale que tu dois connaître. This is something fundamental that you must know. Dieu nous aime. God loves us. Jésus-Christ. He gave Jesus Christ. Il a envoyé Jésus. He sent Jesus pour nous délivrer. To deliver us. Il a envoyé Jésus. He sent Jesus pour éclairer nos voies. To lighten our path. Pour enlever l'ignorance. To take off ignorance. Pour briser nos chaînes. To break our chains. Quand tu t'apprêtes à poser un problème à Dieu, when you get ready to lay your problem before God, n'aie pas peur. Do not be afraid. Ce n'est pas quelque chose que tu as inventé. It is not something that you invented. C'est lui-même. It is he qui te dit. Who tells you? Prie. Pray. C'est Dieu lui-même. It is God himself qui te dit. Who tells you? Écoute mon fils. Listen my son. Il a dit. He said. Celui-ci est mon fils bien-aimé. That this is my beloved son. En qui j'ai mis toute mon affection. In whom I am well pleased. Écoutez-le. Listen to him. Beaucoup portent leurs problèmes. Many carry their problems. Sur leurs têtes. On their heads. Mais Jésus est là. But Jesus is there. Envoyé par le Père. Sent by the Father. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Dieu n'a pas oublié l'homme. God has not forgotten man. Dieu prépare même la vie éternelle pour l'homme. God even prepares eternal life for man. Une vie, a life, en communion avec Dieu. In fellowship with God. Dans l'éternité. In eternity. Enlever une maladie de ton corps, c'est petit par rapport au plan éternel de Dieu. Jésus a prié. Jesus prayed. Il dit afin que là où je suis, he said, so that where I am, ce que tu m'as donné soit aussi. Those that you've given me should also be. Tu vas t'asseoir avec Jésus. You will sit with Jesus. Au ciel. In heaven. Hallelujah. Hallelujah. Dieu aime les hommes. God loves men. Vous savez, you know, ce que nous faisons. What we are doing, c'est un plan de Dieu. It's God's plan. Le frère Zaka a écrit. Brother Zach wrote. Il a dit, Dieu l'a amené, Dieu l'a appelé. He said, God called him à renverser les princes sataniques. To overthrow satanic princes. Et il a été fidèle. And he was faithful. Et il a eu des résultats à 100%. And he had results at 100%. Et il a dit. And he said, Dieu pourra appeler d'autres personnes. That God might call other people. À renverser les principautés particulières. To overthrow particular principalities. C'est cette prophétie qui s'accomplit maintenant. This is the prophecy that has been accomplished right now. Les principautés qui tournent les familles. Principalities that disturb families. S'il y a un esprit. If there is a spirit. Qui domine dans une, qui domine sur une famille. Which dominates over a family. Ou sur un individu. Or over an individual. Ce qu'on appelle l'homme fort. What we call the strong man. Dieu nous a donné
de les renverser. God has given us the power to overthrow them. Et il nous a enseigné les mécanismes. And he has taught us, he has given us the mechanisms. Il nous a dit ce qu'il faut faire pour que les esprits méchants tombent. He has told us what to do so that evil spirits should fall. Tu auras ton témoignage. You have your testimony. Dieu le fera et de telle sorte que tu saches toi-même que Dieu a agi. God will do it in such a way that you will know that he has acted. Dieu le fera de telle sorte que les païens, tes parents, tes amis, tes voisins sauront que Dieu est entré dans ces combats. God will do it in such a way that your relatives, your friends, your neighbors will see that God has entered into the battle. J'ai médité beaucoup. I meditated a lot sur les problèmes des frères. On the problem of brethren. Il y a des frères après la repentance seulement. There are brethren after repentance only. Tous les démons s'en vont. All the demons flee. Et tout le monde est content. And everybody is happy. Et aucun ne revient plus. And none of them returns. Il y a des frères. There are other brethren. Tu les délivres le matin. You deliver them in the morning. Le soir, les démons sont revenus. In the evening, the demons come back. Tu es obligé de leur dire, il faut supporter comme ça. C'est bon, lis la Bible. Chante beaucoup. You are obliged to tell them, well, you just need to bear that way. Read the Bible and sing a lot. Tu chasses le démon le matin. You cast the demon in the morning. Le soir. In the evening. Tous reviennent. They all come back. Pourquoi? Why? Pourquoi chez celui-ci, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Chez cet autre, ils s'en vont, ils reviennent. Why do they leave this one and they never come back? But for this one, they go and come back. Il y a un frère qui m'a vu. The brother saw me. Il me dit. And he told me. J'avais des oppressions, j'étais malade, je souffrais. I had oppressions, I was sick and I was suffering. Les femmes de nuit. I had spiritual wives. Et il me dit. And he said. Je me suis repenti. I repented. On a fait un brisement de liens. They broke my ties. Toutes les maladies sont parties. All the sicknesses je went away. Je dors en paix. I sleep in peace. Il n'y a plus d'oppression. There is no more oppression. Mais je suis pauvre. But I am poor. Que là où je dors. That where I sleep. On me voit. Quand tu passes, tu vois les cabanes là, tu le vois coucher. When people pass around, they see that I'm sleeping. That is, there are holes through the walls of my house. On a brisé les liens. His ties were broken. Manger dans les songes, couche de nuit, oppression, c'est fini. Eating in dreams or wet dreams in the night, all of those things were over. Mais, but pauvre. He was poor. Comme les gens disent, comme une souris de l'église. As people say, like a church rat. Pourquoi? Why? Enfant de Dieu authentique. A genuine child of God. Un jour, one day, le Seigneur me dit, the Lord told me, beaucoup sont sous la malédiction divine. Many are operating under the divine curse. Il me dit, beaucoup de démons sont venus par envoûtement dans la sorcellerie. And he told me, many demons came in through bewitchment in sorcery. Il m'a dit, il y a les démons qui viennent à travers la pratique du péché. He said there are demons that come through the practice of sin. Tu commets l'adultère. Of drunkenness. If you commit adultery, there will be spirits of adultery. De telle sorte que si tu abandonnes l'adultère. In such a way that if you abandon adultery, pendant que tu te repens même. Even while you are repenting, le démon d'adultère prend son chemin, il s'enfuit. The demon of adultery takes his bags and he leaves. C'est comme quelqu'un qui est au milieu des magnans. Et tu proclames sa délivrance. Someone who is in the midst of red ants, you proclaim his deliverance, but he's still there. Il faut les sortir de là où ils sont. Viens. You need to take them away from where they are. Vous voyez, il est au milieu des esprits. Tu les délivres le matin, le soir ils reviennent.
You see, it's donc in the midst of spirits. Je le préviens. If you deliver him from morning to night, he'll still be there. But now I'm taking him away. Donc tu l'enlèves de ce milieu là. You take him from that environment. Maintenant tu chasses tous les démons. And then now you cast out all the demons. Aucun ne va revenir. None of them will come back. Mais tant qu'il est là-bas. But as long as he's there, tu die. You bind and you cut. Mais il est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison que le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. That is why the Lord says, come out from the midst. Il n'y a pas de vraie délivrance tant que ton âme est au milieu des gens qui t'ont vendu. There is no true deliverance as long as your soul is still in the midst of the people who sold you away. Et le Seigneur nous a révélé. And the Lord revealed to us que l'envoûtement se pratique toujours par des gens qui te connaissent. That bewitchment is always practiced by people who know you. Si tu es envoûté, if you are bewitched, ça ne peut pas être par un Chinois lambda. C'est pas. Il dit, l'homme, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa maison, les gens qui sont autour de toi, tes amis, tes parents, ton mari, ta fille, ton fils, ta femme. C'est comme ça. If you are bewitched, it cannot be by some stray Chinese. It can only be by people who know. That's why he says, a man who have for his enemies the people of his household. Those are the people who know you and who walk around you. Et le Seigneur nous a dit, and the Lord told us, tout se passe par la parole. It all goes through the word. Donc, pour les délivrer, faut la parole. So to deliver them, you need the word. Si tu dis je renverse, if you say I overthrow, ça va se renverser. It will be overthrown. Et que dans la sorcellerie, someone who is, on demande aux gens de donner les noms des autres. Quelqu'un me disait encore hier qu'il avait donné les noms des gens de sa famille. They asked them to give the names of others. Someone was telling me just yesterday that they had asked him to give the names of his family members. Donc tu peux être assis là. So you can be seated here, assise là, or seated in this place, sans savoir que ton nom a déjà été donné. Without knowing that your name has been given. Qui a donné? Who gave it? C'est les gens de ton entourage. It's the people around you. C'est là la notion des liens. That is where the notion of bonds come in. Et le Seigneur me révélait que, and the Lord revealed to si me, tu détruis les liens de filiation, les liens d'association, les liens d'occultisme, etc., l'âme de la personne va sortir. Quelqu'un dit qu'il était dans la forêt. Son âme va sortir du milieu spirituel dans lequel il a été fait prisonnier. And he told me that if you deliver the bonds, the filial bonds and the bonds of association, the soul of that person will come out. Someone was talking a while ago and said that he was in the forest. Et on a commencé à pratiquer le brisement des liens. And we started practicing the breaking of ties. Les délivrances étaient authentiques. And the deliverances were genuine. Mais il restait le cas des gens délivrés, mais pauvres, misérables. But we still have the cases of people who were delivered, but they remained poor and miserable. Qui échouent partout. Who fall everywhere. Qu'on ne veut pas voir. Quand un croyant se convertit, quand un homme se convertit, when a man gets converted, sa conversion n'annule pas la malédiction de Dieu qui plane sur toute la famille. His conversion does not cancel God's curse that hovers over his family. Mais Dieu les aime. But God loves them. Si Dieu trouve un intercesseur, il exauce et il délivre la famille. If God finds an intercessor, he delivers the family. Je peux prier pour toi. I can pray for you. Mais quand il faut enlever la malédiction de la famille, Dieu cherche un membre de cette famille-là qui va le faire. Que cette personne-là, c'est moi. So be serious. Tell yourself that I am that person. Ne dis pas nous avons cru. Il y en a qui sont catholiques, d'autres sont assemblés de Dieu, d'autres sont pentecôtes. Oublie les autres. C'est toi responsable. Don't tell yourself that well, we are many of us. There are some who are Catholics, some of Assemblies of God, others from the Pentecost Church. Tell yourself that you are the one.
Donc chaque famille so each family doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur. Must have before God at least an intercessor. Qui va crier à Dieu. Who will cry out to God. Pour qu'il délivre de l'ivrognerie. For him to deliver from drunkenness. De meurtre. From murder. De la violence. From violence. Des maladies héréditaires. From hereditary sicknesses. Dieu veut enlever. God wants to take it away. Mais il veut une rançon. But he wants a ransom. Il veut une intercession. He wants intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Even in the New Testament is the same thing. That is why Jesus made of us all high priests. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. It is something that God is expecting from each child of God. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour sa famille. The apostle Paul says, let them pray for their families. Il y a des gens qui méprisent leur famille. There are people who despise their families. Il dit ce sont des sorciers. He says they are witches. Il les chasse. He casts them away. Mais Dieu te dit. But God says, prie pour eux. Pray for them. Dieu te dit. God says, demande-moi leur délivrance. Ask me for their deliverance. C'est une chose instituée. Dieu a établi ça. It is something that God has instituted. He has established it. Dieu cherche dans chaque famille un intercesseur. God is looking for an intercessor in each family. Pour une assemblée de maison, Dieu cherche un intercesseur. For a house church, God is looking for an intercessor. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. For a local church, God is looking for an intercessor. C'est une institution. It is an institution. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. God so loved the world that he gave his only son. Quand nous avons commencé à prier pour nos familles, when we started praying for our families, l'église a expérimenté un type de miracle que nous n'avions jamais vu. The church started experiencing some types of miracles that we had never seen. Les anges descendent dans, les anges vont même dans les hôpitaux, dans les chambres. Angels came down and went right into hospital rooms. Guérir les gens. To heal people. Après nos prières. After our prayers. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lucie, Koro, viens nous dire comment Jésus est entré dans une chambre au sud de Cocody. Et on devait couper son pied. Couper. Her leg had to be amputated. Jésus est entré. Elle a vu Jésus. Jesus got in. Acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus Christ. Quand nous allons prier, when will you pray? S'il faut que l'armée de Dieu aille au fond de la mer, ils vont aller là-bas. Even if it means that God's army should go in the depth of the sea, they will go there. Ne prends pas la machette, tu vas dans un village couper les arbres. Si tu dis je m'en vais délivrer un village, ça c'est charnel. Il faut prier. Don't go with your machete to a village and say. Dieu va envoyer les anges spirituels. That is carnal. Pray and God will send his angels. Ils vont tout casser, tout démolir. And they will break everything and demolish everything. Et tu vas remarquer que les sorciers vont venir vers toi étant gentils. And then you discover that. Parce qu'ils ont vu. Ce qui s'est passé en ton nom. And then you discover that witches and wizards will come and they will be kind towards you because they will see what happened. Glorifie Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez bien, ça va t'arriver. Listen attentively, this will happen to you. Je veux rendre grâce au Seigneur de m'avoir guéri du pied gauche. C'était dans le mois de juillet 2014 et j'étais à San Pedro un dimanche nuit, je partais me coucher et dès que j'ai déposé le pied dans la chambre,
Il y a quelque chose qui m'a piqué sur le petit orteil. Bon, j'ai regardé, j'ai pas vu quelque chose, j'ai prié et puis je suis allée m'endormir. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la journée, j'ai marché, j'ai fait mes activités. Mais la nuit du jeudi au vendredi, à 4 heures du matin, j'étais paralysée. Je ne pouvais plus me lever. Et j'ai vu quand le pasteur Kwao s'est levé à 2 heures du matin pour aller prier. Et à 4 heures, je veux me lever pour méditer. Je ne pouvais plus. Je pensais que c'était la fatigue. Mais le mal montait de mon pied jusqu'à ma hanche. Et j'avais commencé à gémir. C'est comme ça qu'il a entendu mes gémissements et qu'il est rentré dans la chambre. Frère, j'étais paralysée des deux pieds. Et à 4 heures du matin, 5 heures, j'ai appelé Papa Meunier pour lui dire que voici la situation. Et c'est ainsi que il m'a dit d'appeler le pasteur Nat. En premier lieu, j'ai appelé le pasteur Nat et il m'a demandé de me rendre à l'hôpital. On a fait tous les examens. Le médecin dit qu'il n'y avait rien. Donc, il a dit au médecin, prenez son taux de glycémie. Alléluia. Frère, quand on a pris mon taux de glycémie, j'étais à 5. Et j'ai fait un coma diabétique. C'est-à-dire que je ne savais plus où je me trouvais. Et on m'a fait une piqûre pour que je puisse revenir en moi. Mais pendant ce temps, le pied s'enflait seul. Jusqu'à ce que je ne pouvais plus marcher, on me portait. Et le docteur Nat a demandé de me rendre sur Abidjan. Que dans 72 heures, si on ne me voit pas sur Abidjan, on coupe le pied. Alléluia. Frère, je me suis rendu sur Abidjan. Je ne marchais pas, on me portait. Quand je suis arrivé, le pasteur Nat m'a dit, dès que tu mets tes pieds à Abidjan, tu vas directement à Erafa. Et dès que j'ai mis pied à Abidjan, le Seigneur me dit, va à la maison. Tes parents, le pasteur Meunier, mon collègue, vont prier pour toi. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais à 5 grammes. J'étais à 5 grammes d'hémoglobine quand je quittais à San Pedro. Mais après la prière cette nuit, quand je me suis rendue à l'hôpital le matin, la sœur Marie-Claire a pris, elle m'a piqué, elle me dit, mais tu as pris quoi? J'ai dit, j'ai rien pris. Elle dit, mais tu as deux. Alléluia. J'ai compris que le Seigneur avait déjà commencé à travailler. Et je rentre à la maison. La nuit, dès que je rentre à la maison, je fais un songe. Dans le songe, j'étais avec une de mes filles. Et puis j'ai donné d'eau à ma fille. Elle a crié, maman, serpent! Frère, quand je me suis tournée, j'ai vu le serpent. Le serpent était gros. Et j'ai eu une épée. J'ai reçu une épée dans ma main et j'ai coupé la tête du serpent. Jésus-Christ. Et le Seigneur me disait que c'est la victoire qui commence. Quand je suis rentrée à la maison, après avoir coupé la tête du serpent, le docteur Cyprien m'appelle. Il dit, j'ai appris que tu es à Abidjan. Trouve-moi au chute de Cocody. Papa m'a porté avec les frères et ils m'ont mis dans la voiture. Tonton J.R. m'avait envoyé à l'hôpital. Et j'étais dans le fauteuil roulant. Amen. Et dès que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai fait... je crois bien un mois. Et la nuit du 23 au 24 juillet, avant d'entrer dans la chambre, quand j'ai vu le docteur Cyprien, il m'a dit, ton pied là, on coupe ça aujourd'hui. Je lui ai dit, docteur, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Que le pied là, je prends pour danser pour Jésus. Donc on ne peut pas couper. Donc on m'a donné la chambre. Donc la nuit du 23 au 24 juillet, je dormais. Et je vois le Seigneur entrer dans ma chambre.
Il dit, je suis le Dieu Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le mal pour lequel le pied devait être coupé, je te l'arrache aujourd'hui. C'est ainsi que il a papé le pied comme ça, et il a fait comme ça. C'était l'opération qu'il avait faite. Et du côté gauche, il y avait du pus dedans. Il a raclé tout le pus qui était dedans. Et quand il a fini de racler le pus, il a soigné maintenant la plaie. Et quand il a fini de soigner, il était si honte. Et il a dit, le mal pour lequel le pied devait être coupé, je te l'enlève aujourd'hui. Amen. J'ai dit amen, j'ai mis mes mains sur ma poitrine et j'ai dit au Seigneur, je t'aime. Il m'a donné un sourire, frère, de mon cul chevelu jusqu'à la plante de mes pieds. Je t'ai guéri. Et à mon cheville, il a enlevé quelque chose. Et puis il m'a dit, regarde, tu vois, j'ai dit oui. Et puis je lui ai demandé c'est quoi. C'était les crocs de serpent. Donc cette nuit-là, c'était le serpent dans le spirituel qui m'avait piqué. Et quand le Seigneur a enlevé les dents de serpent, il m'a montré. Et à 6 heures, le docteur Cyprien est rentré dans la chambre. Il a crié, quel miracle! Je lui ai dit, c'est le miracle de Jésus. Et il m'a dit, puisque j'étais déjà prêt pour couper le pied, il m'a dit, va faire une échographie du pied, écho Doppler. Donc quand je suis allé faire l'examen, on dit une myosie non collectée. Et j'ai demandé au médecin, mais myosie non collectée là, c'est quoi? On dit non, il y avait du pus dans le pied, mais le pus a séché. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Merci. Mais quand les gens oublient les témoignages, c'est regrettable. C'est un témoignage très court. It's a very brief testimony. Qu'elle a mélangé avec des combats de principautés. That she has mixed up with her battles against principalities. Elle devait couper son pied. Her leg had to be amputated. Son frère en Christ, docteur Cyprien, lui a dit, on va couper. Donc, les frères ne plaisantaient pas. Her brother in Christ, Dr. Cyprien, had told her that this leg had to be amputated. Et dans la nuit, and in the night, elle ne dormait même pas comme elle a dit. C'était en extase. She was elle not a asleep. Jésus entré. She was not asleep as she said. It was like she was in a trance. Et Jésus a fait un signe vertical et le pied s'est ouvert. And Jesus made a vertical sign and her leg opened up. Il a nettoyé. He cleaned it. Il a enlevé quelque chose noir. And he took off something black from comme it. Comme les dents du serpent. Like the teeth of a snake. Et il lui a dit, c'est à cause de ça qu'on devait couper ton pied. And he said, it is because of this that your leg had to be amputated. Et il a fermé la plaie. And then he closed it up. Il est parti en souriant. And he went away smiling. Le matin, le résultat est là. In the morning, the results were there. Jésus s'est approché de nous. Jesus has drawn near to us. Jésus nous a appris à croire en lui d'une autre manière. Jesus has taught us to believe in him in a new way. Les prayers que nous allons élever ici, the prayers that we are going to lift up from here, entrent dans une banque au ciel. Get into a bank in heaven. Dieu va les convertir. God will convert them comme il veut. As he wants. Et quand il veut. And when he wants. Pour opérer des délivrances, des guérisons, des restaurations. To operate deliverances, healings and restorations. Donc nous allons nous rassurer que nous avons beaucoup prié. So we are going to ensure that we have prayed a lot. Et que les coupes sont pleines. And that the cups are full. Qu'il y ait des interventions chirurgicales en esprit. That will be operations on the spot. Sur le cerveau, le cœur, le foie, les reins. On the heart, on the lungs, and on the kidneys. Les yeux. The eyes. La gorge. On the throat. Partout où le mal veut se loger. Everywhere
that pain wants to stay. Que nos cris parviennent à Dieu. That our cries will go up to God. Qu'il envoie l'exaucement sur la terre. And that he will send answers on earth. J'ai dit aux frères, I told the brethren, Lucie est une sœur de la même communauté que nous. Is a sister of the same community as us. Si c'était dans une autre communauté, tu peux dire, je m'en vais voir un peu là-bas. If it was in another community, you could have said, let me go and see what is happening there. Si nous lisons la même Bible, if voilà we read, son mari. Voilà son mari. If we read the same Bible, that's her husband there. Ça veut dire que nous touchons au même miracle. It means that we are experiencing the same miracles. Nous avons la même espérance. We have the same hope. Même si tu es dans un cercueil. Even if you are in a coffin. Envoûté. Bewitched. Tout sera brisé. It will all be broken. Tout sera brisé. It will be broken. Nous étions à Dabou. We were in Dabou. Une sœur, après avoir reçu le ministère de brisement des liens. A sister, after having received the ministry of the breaking of ties. A vu comment un reptile, un serpent était en train de vomir la boue, les choses sales, il vomissait. Saw how a snake was vomiting dirty things mouth. Elle se disait, mais ça c'est quoi encore? And she was asking herself, what is this? Et pendant qu'elle s'interrogeait, and while she was asking herself, c'est elle-même qu'on vomit maintenant. Then she's the one who came out, who was vomited. Et c'est la délivrance. And that was her deliverance. Que personne ne te trompe. L'homme a un corps, une âme, un esprit. Let no one deceive you. Man has a body, a soul, and a spirit. Physiquement, tu es là. You are here, present physically. Mais spirituellement. But spiritually, tu ne sais pas où tu te trouves. You don't know where you are found. Quelqu'un te dira. Someone might tell you. Si quelqu'un est en Christ. If anyone is in Christ, une nouvelle créature. He's a new creature. Les choses anciennes sont passées. All things have passed away. Toutes choses sont devenues nouvelles. All things have become new. Donc, il n'y a plus de délivrance à faire. So there is no more deliverance to carry out. Mais et toi, tu manges le placali glog dans le son. Jugez-en toi-même. And you are there eating placali glog in your dreams. Think about it yourself. On dit Jésus, tout est fini. Mais le mari de nuit vient, il t'attrape, il jette par terre, il te viole. And they say it is finished, but the spiritual husband comes, puts you on the floor and rapes you. Jugez-en toi-même. Judge for yourself. Ça, ce ne sont pas des choses où on peut blaguer quelqu'un. These are not things about which we can deceive someone. Et fais ce qui est normal. And do what is normal. Invoque Jésus-Christ. Call upon Jesus Christ. Tu verras ce qui va se passer. And you see what will happen. David n'a pas dit j'ai tué Goliath, je suis fort. David did not say I killed Goliath and I'm strong. Je n'ai plus d'ennemis. I no longer have enemies. Il a crié à Dieu. He cried out to God. Il dit. And he says. Le Seigneur l'a délivré de son adversaire qui était plus puissant que lui. And the Lord delivered him from his enemies that were stronger than him. Il dit il m'avait surpris au jour de la détresse. And he said they came upon me on the day of distress. Ça peut être ton cas. That could be your case. Une petite journée de tristesse. A little day of sadness. Et un adversaire puissant te saisit. And a strong enemy lays hold of you. Alors, qu'est-ce qu'on fait? So what do we do? Je vous ai donné mon pouvoir. I have given you my power. Dis amen. Say amen. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis Jésus nous a donné le pouvoir. So Jesus has given us the power. Tu dis je refuse de me résigner. Say I refuse to resign. Je dois combattre. I must fight. Je suis un enfant de Dieu. I am a child of God. Par adoption. By adoption. Tenons-nous debout. Let us stand, please. Ce soir, this evening, nous faisons une seule chose. We are doing just one thing. Dis à Jésus. Tell Jesus. Je me consacre à toi. I consecrate myself to you.
pour que ce jeûne-ci, cette croisade, so that this fast and this crusade soit pour moi et ma famille une bénédiction. Should be for me and my family a blessing. Et quand tu vas prier, and when you pray, peut-être que qu'un jour tu n'auras pas les moyens pour arriver ici. Maybe you not have the means to get here. Mais reste en prière. But remain in prayer. Et nous prions que tu aies toujours les moyens. And we pray that you should always have the means. Le Seigneur dit, n'aimez pas le monde. The Lord says, love not the world. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. That he who loves the world is an enemy of God. Enlève ton cœur du monde. Take your heart from the world. Dieu va t'exaucer. God will answer you. Dieu va t'exaucer. God will answer you. Certaines personnes vont expérimenter la délivrance des marées de nuit à un haut niveau. Some people would experience deliverances from spiritual husbands at a high level. Le genre que même si c'est Satan lui-même qui venait, such that even if it was Satan himself who was coming, il va mordre la poussière. He would fail. Ça ne sera pas l'œuvre d'un homme. It will not be the work of a man. Tout ce que Dieu voulait, all that God wants, c'est que nous puissions nous tenir devant lui. Is that we should stand before him. Et nous sommes devant lui. And here we are before him. Dis-lui que je suis là, Seigneur. Tell him I am here, Lord. Dis-lui regarde ma pauvre famille. So look at my poor family. Regarde notre condition. Look at our condition. Dis à Dieu, même quand nous tentons de faire de pratiquer la corruption comme les autres, ça devient pire même. So even when we try to corrupt like the others do, things become worse for us. Rien ne marche. Nothing works. Même ceux qui veulent croire, even those who want to believe, ils tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils se lèvent. They fall and they rise, they fall and they rise, they fall and they rise. Dis à Dieu, tell God, tu cherches un intercesseur. You are looking for an intercessor. Dis à Dieu, oh Père, say, oh Father, tu cherches un intercesseur. You are seeking an intercessor. Dis-lui, me voici. Say, here am I. Exauce-moi. Answer me. Parle-lui. Speak to him. Parle-lui de toi-même, de ta famille. Speak to him about yourself, about your family. Demande-lui ce que tu veux. Ask him what you want. Pray avec foi. Pray with faith. Oh, Riyaba Kashaba Kashaba Kashaba. Oh, Riyaba Kashaba. Holy Kama Sama Kama Samara. Abakashara. Dieu.
Regarde la pauvreté. Look at the poverty. Regarde la misère. Look at the misery. Regarde la maladie. Look at the sicknesses. Regarde les oppressions. Look at the oppressions. Regarde la misère, la honte. Look at the misery, the sin. Regarde les pauvres, les pauvres. Look at the sin, the state. Oh, délivre-nous, délivre-nous. Oh, délivre-nous, délivre-nous. Délivre-nous, délivre-nous. Délivre-nous, délivre-nous. Dieu, Père. Oh, Father. Nous nous sommes détournés de toi. Mais toi, but you, tu nous aimes. You love us. Tu nous aimes. You love us. Tu as envoyé Jésus. And you sent Jesus. Tu as envoyé Jésus. You sent Jesus. En son nom. In his name. Nous crions à toi. We cry to you. Oh Père. Oh Father. Que les chaînes soient brisées. The chains be broken. Que les chaînes soient brisées. The chains be broken. Que les prisons soient cassées. The prisons be broken. Que les prisons soient cassées. The prisons be open. Que les alliances soient déchirées. Les alliances sont déchirées. Oh Père, que toutes les alliances avec les parents, les alliances des parents avec les démons, que toutes ces alliances qui sont les fausses alliances, les mensonges, les alliances de mensonges, nous les déchirons. Nous nous sommes rassemblés. Pour les détruire, to destroy them, pour les déchirer, to fire them down, et que tout l'enfer sache, and may hell know, nous nous sommes convertis, that we are converted, à Dieu, to God, le seul vrai Dieu, to the only true God, pour être adoré, who must be worshipped, continue à intercéder que le sang agisse, continue to intercede, Veuillez vous asseoir. Please be seated. Gardez le calme. Please be quiet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Is there someone who wants to give his life to Jesus? Est-ce qu'il y a dans la foule quelqu'un? Non, oui, venez devant, viens. Someone who wants to give his life to Jesus, come forward, please. Que tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus viennent. That all those who want to give their lives to Jesus, come forward. Quand les âmes se donnent, Dieu est très content. When souls give themselves, God is happy. Venez, 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 venez. Please come. Soyez concentrés. Si un démon veut partir, qu'il parte. Please concentrate. If a demon wants to go out, he should go out. Mais venez donner la vie à Jésus. But come and give your life to Jesus.
de donner sa vie à Jésus. Who wants to give his life to Jesus? La parole déclare. The word declares. Que Dieu a tant aimé le monde. That God so loved the world. Il a donné son fils. That he gave his son. Il a donné son fils unique. That he gave his son. Il a donné son fils unique. That he gave his son. Il a donné son fils unique. Oh, God gave his son. Parce que quelqu'un croit. So the world that believes. Ne périsse pas. Should not perish. Si tu donnes ta vie à Jésus. If you give your life to Jesus. Tu ne périras pas. You will not perish. Tu ne périras pas. You will not perish. Tu ne périras pas. You will not perish. Tu ne perdras point. You will not perish. Si le diable, if the devil, vient contre toi, comes against you, la main du Seigneur Jésus sera sur toi. The hand of Jesus Christ will be upon you. Si tu meurs, if you die, tu vas au ciel. You will go to heaven. Tu vas au ciel. You will go to heaven. Tu ne perdras point. You will not perish. Tu ne perdras point. You will not perish. Oui, allez. Venez, 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 venez. Yes, come, please. Dieu t'a donné le monde. Oh, tu veux donner. Oh, Dieu t'a donné le monde. Son fils. That he gave his son. Il a donné son fils. That he gave his son. Il a donné son fils. That he gave his son. Pour résoudre les problèmes de l'homme. To solve man's problem. Quand tu cries à Dieu. When you cry out to God. Quand les gens crient. When men cry out. Dieu donne son fils. God gives his son. Dieu donne son fils. God gives his son. Dieu donne son fils. God gives his son. Lève-toi et viens. Rise up and come. Qui veut donner sa vie à Jésus? Who wants to give his life to Jesus? Est-ce qu'il y a un rétrograde qui veut revenir? Lève la main. Is that backslider who wants to come back? Rise up. Tu marchais avec Jésus. You were used to walk with Jesus. Et tu l'as abandonné. And you abandoned him. Lève-toi et viens. Rise up and come. Si tu es venu, if you can, tu dis je veux seulement que Jésus me guérisse, je vais aller boire. And you said I want that Jesus should only heal me for me to go back and drink. Tu te trompes. You are being deceived. Dieu est plus sage que toi. God is wiser than you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Acclamer, c'est une victoire. Clap, this is victory. Si tu veux donner ta vie à Jésus, if you want to give your life to God, lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Amen. Amen. Vous allez lever vos mains. You are going to raise up your hands. Que chacun dise, Seigneur Jésus, me voici. Let everyone say, Lord Jesus, here I am. Prends-moi. Take me. Je reconnais mes péchés. I acknowledge my sins. Je suis venu. I came. Pour implorer ta grâce. To call upon your grace. Pour implorer ton secours. To call upon your help. Et ta parole dit, and your word says, que tu m'aimes, that you love me, et tu m'as donné Jésus, and that you've given me Jesus. J'accepte Jésus. I accept Jesus. Je prie que Jésus me pardonne. I pray that Jesus forgives me. Qu'il pardonne tous mes péchés. That he forgives all my sins. Père, Father, je veux te servir. I will serve you. Je veux te servir. I will serve you. Délivre-moi. Deliver me. Levons nos mains et bénissons-les. Let us raise our hands and bless them. Prions que les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Let us pray that the purposes of God will be accomplished in their lives. Prions ensemble. Let's pray together. Oh Père. Oh Father. Que les plans que tu as conçus. That the plans that you Que tous les plans que tu as conçus, pour chacun de ces enfants, for each of these children, tous ces plans s'accomplissent, tout ce que Satan a planifié, tout ce que les sorciers ont planifié, cela soit révélé, et que cela soit détruit, and may they be destroyed. Que les plans de Satan soient détruits, all the plans of Satan be destroyed. Que les plans des hommes soient détruits, all the plans of men be destroyed. Que les plans des hommes soient détruits. The plans of men be destroyed. Et seul le plan de Dieu. Only the plans of God. Seul le dessein de Dieu. Only the purposes of God. Seul le dessein de Dieu. Only the purposes of God. S'accomplissent dans leur vie. Be accomplished in their lives. Dans leur vie. Be accomplished in their lives. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous le séparons.
sont dans leur famille. They are in their families. Ils ne les séparent pas de tous les envoûtements. From all the bondages. Dans leur famille. They are in their families. Satan. Satan. Retire-toi pour toujours. Retire forever. Retire-toi pour toujours. Retire forever. Ne touche plus. Touch none. Ceci. Touch none of them. Qui donne leur vie à Jésus. They are giving their lives to Jesus. Ne touche plus. Do not touch them anymore. Ne touche plus. Do not touch them anymore. Ne touche plus. Do not touch them anymore. Ne touche plus. Do not come near them. Ne touche plus. Qui les suivent. Ne touche plus. Que tout se retire. May they withdraw. Que tout se retire. May they withdraw. Que la gloire revienne à Jésus. May the glory come back. Amen. To Jesus. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap to Jesus Christ.